bonjour, bonsoir à tous les amis, auditeurs, téléspectateurs, internautes, quel que soit le pays à travers le monde. Hein, c'est grande première émission par là qui rentre la caille. Azoyi News. Jodi a nous un privilège, moi-même avec Zanmim El Chouko, à présenter la première édition Sida. Bonjour Chouko. Bonjour Ernest, bonjour à l'invité, parce que nous avons quitté un petit temps passé avant que vous ayez connaissance avec l'invité. Je salue tous les auditeurs, les spectateurs et les youtubeurs, les youtubeuses. Je salue nous tous parce que la série d'émissions, ça va que nous allons gagner. Nous allons vraiment contents parce que c'est chaque monde dans la région qui a beaucoup d'informations pour nous, qui a bonne formation. Nous pouvons le faire parler dans la série d'émissions que nous pouvons gagner. Merci Ernest et nous pensons que c'est le moment pour nous recevoir sous PIS AGI News 1 en grand homme. Oui, effectivement, Chouko, Jean Oudil, première édition, nous choisis, nous trier un grand. Puisque Azoyi News, c'est média arrondissement, je dis à nous un privilège de nous rentrer dans la commune Corignon Grand Bois. Nous allons dénicher professeur, poète, historien, maître Antonio Rival. C'est lui-même qui va pour faire un dialogue avec nous. Bonjour professeur. Bien le bonjour mon cher ami Patrick Joseph, bien le bonjour Ernest Camille, le directeur d'Azoyi News. C'est un honneur et un plaisir pour nous à la fois pour nous participer dans la première émission Azoyi News. Professeur Antonio Rival, si comme on dit son plaisir, mais plaisir là plus pour nous, parce que l'organisation de notre professeur Rival qui est d'accord pour lancer une émission ensemble, c'est pas chouette. Et tout au long de l'émission, nous allons voir ça. Est-ce qu'on peut présenter pour des spectateurs mondiaux, pour youtubeurs mondiaux? Moi, je crois que y a une bagaille qui est plus difficile dans la vie. Hein. Mon cher Patrick, c'est pour présenter tête. Qui ça me capable de dire? Moi, c'est petit cognon que en plus nous devons cognon grand bois. Nous faisons des études universitaires, Jean n'est pas parlé français, bien pluridisciplinaire. Dans le niveau qui est plus bas, niveau. Nous faisons communication, éducation au niveau licence, un programme connexe, sciences politiques et économie, avec droit, mais droit, il faut préciser, c'est une étude que nous faisons pendant nous dépasser 40 ans. Et en dernier lieu, c'est administration culturelle, mon programme spécial Banque Interaméricaine de Développement te financé, nous te fait li dans ENAS avec professeur que nous apprécier en pile Ronald C. Paul. Mais nous te gen chance vivre à l'étranger, nous te gen chance commencer étudier aux États-Unis. Mais nous pas jamais trop rien mettre accent sur causer ça. C'est en Haïti que nous choisissons pour nous vivre. Nous parler de causer Haïti, de ça nous fait en Haïti. Pour activité professionnelle, premier poste que nous occupons dans l'administration publique, c'était dans le ministère de l'Intérieur, côté nous sommes secrétaire exécutif, cabinet, ministre. Par la suite, nous venons travailler comme consultant, comme expert dans le ministère de la Culture,
pendant plusieurs années. Ensuite, vraie profession que nous aimons tout bon, après passage dans télévision, radio, c'est l'enseignement. Nous avons commencé dans le niveau classique, secondaire, et puis nous venons continuer dans le niveau universitaire, mais nous enseignons non seulement l'école secondaire, c'est une matière que nous aimons en pile, mais nous ne parlons pas de lui, c'est la philosophie. Nous sommes tout le temps professeurs à apprendre pour le présenter. Tellement bien écolé, tellement yo gros. Donc, nous même dans AG News, nous avons spécialité que nous avons quitté. Nous allons chercher les gens, nous allons parler avec les étudiants. Nous allons parler avec les professeurs là. Et moi, première question pour me tourner sur Ernest, première question que nous avons essayé de poser aux professeurs là. Comme la commune Cognon fait partie de la région AGIA, qui ça ou connaît? Qui sortent de l'AGI, lac AGI? Lac AGI, ou encore étant Somat, ou pour Muntomazo, l'étang, c'est plus gros étendu du intérieur Haïti gagné la donne. Et c'est seul lac qui gagne dans le pays d'Haïti. L'Axa est situé entre la commune de Tomazo, commune Gantier, commune Cognon, mais il y a deux géographes qui dit que Cognon pas touché avec et la AGI. Mais il n'y a pas qu'à prouver le contraire parce que gagnant côté en République Dominicaine sous frontière là qui relé Boca Chon, c'est non ça habitant au bail, mais c'est Boca Raton, si nous ne sommes pas oubliés, si nous ne sommes pas nous lui même l'heure pour traverser sous lac là pour aller en Dominicanie ou directement passer sous côté Cognon. C'est une zone côté que yo fait trafic charbon, trafic marchandises, contrebande en grande quantité. Nous déjà comprenons l'autre côté de notre cité, hein, c'est la République Dominicaine, surtout avec inondation dernière année, yo, côté l'eau, la Azurien vient déborder route là, qui mène Jimani, hein, li traverse frontière là, li rentre Jimani, donc la Azurien de toucher la Dominicanie et Haïti à la fois. Et qui ça non ça? Là on prend non ça. Azuri News. C'est qui ça qui nous tête? Immédiatement, moi ouais, une région frontalière. Moi ouais, c'est un média qui gagne pour objectif exploiter toute information possible dans zone ça, surtout en zone qui grand pile échange, hein, malgré problème insécurité qu'il vient là dans Kounia là, et extrêmement difficile pour passer deux jours pour bagon information qui sorti entre Gantier, Tomazo, Jimani et Cognon. Donc moi quoi Azuri News là, c'est une opportunité pour moun dans zone frontalière que nous citons là, en particulier, et toute reste population haïtienne et sa cap vivre en Haïti et sa cap vivre à l'étranger pour que vous bénéficiez toute information pertinente qui a déroulé dans zone si là. Et même gens avec toute commune, tout pays, commune Cognon a une histoire. Je dis à vous à essayer de garder comment nous sommes capables de chita dans la commune Cognon. Dis-nous non, parlez-nous de Cognon. Viens voir. Côté non ça a sorti. Qui ça a guidé elle? Directeur Camille, vous posez-nous une question que nous trouvons qui est très pertinente. Cognon Grand Bois, qui côté non ça a sorti, qui ça a guidé elle?
l'histoire commune Bonillon. Pour comprendre bien, on doit aller dans l'époque colonisation espagnole dans un premier temps et l'époque colonisation française dans un second temps. Comment? C'est une zone qui était plus boisée que Haïti te gagné. D'après historien Gabriel Debien, le confin qui était Tomazo, qui prend bonne Kaeli, ou te joint à partir de Pleine Céleste et première section, yon forêt de 15 km de long. Et c'est à partir de forêt ça que nos communes ça pral sorti premier nom. Comment? Espagnol yo te rele zone là à cause des paquets de pied bois pain, mais c'est surtout bois pain qui te dominé dans couverture végétale commune. Et pas pour commune bien entendu, mais zone là future commune là. Espagnol yo pral rele Bajada Grande et puis en français on va le dire grand bois, c'est-à-dire en français grand bois et en espagnol Bajada Grande. Kounya la son zone boisée salte kon gen la dan li le esclave kon senti condition nan plantation yo trop pou yo. C'est moins ça, mais esclaves surtout dans le département de l'Ouest, dans la plaine du cul de Sac, zone Port-au-Prince, quoi des bouquets, etc. Ils ont monté à le cacher dans le bois ça. Qui ça quoi le passé? Espace ça, géographique ça, que vous direz les Bajada Grande, qui c'était un canton. Actuelle commune Mirbalet, plus tard il va le transformer en quartier. Eh bien, pral gagner yon volonté pour yon exploiter li au point de vue agricole. Dans l'année 1774, environ 15 ans avant éclatement révolution, gagnait yon colon qui rele Michel Bernard Datis. C'est lui-même en premier qui pral exploiter terre Cognon Grand Bois ou encore Grand Bois canton Grand Bois pour l'époque là. Qui côté yon commencé exploitation ça? C'est dans section que moun konion rele génie païen. Mais pour plus moun qui pa moun konion, yo plus gen en tête yo centre génie païen qui c'est Potizo. Et développement ça pral fin étendu sous tout reste actuelle commune Konion Grand Bois, surtout dans première plaine céleste. Première bouc en bois peint, deuxième bouc en bois peint et génie païen, bien sûr. Pas quoi que nous cap dit plus par rapport à question que directeur Camille t'a posé nous. En été et par rapport à support historique n'a fait support maintenant là. Donc, espagnol yo bal non, français yo bal non, mais c'est toujours même bagaille, c'est grand bois Bajada Grande. Grande. Bon, nous connaissons pas l'espagnol, même j'ai approuvé cela. Donc, prononciation a toujours manqué. Mais je dis, de les grand bois, pour nous arriver dans Cognon, qui ça fait nous arriver, je dis à côté de nous, parce que sous l'on explique le conseil, il était peut-être un pile pied bois. Ça veut dire, il était bien, il était qu'on a caché la vie ou pas. Et puis, je vous dis, depuis les
Tomazo, on était à regarder tout ça qui a passé en l'air. Qui ça fait ça arriver là? C'est une très belle question, mon cher ami Patrick Joseph. Je vais critiquer les paysans grand bois du fait que, soi-disant, les déboisés habitants naturellement, déboisés communes, mais sans ne pas tenir compte de un facteur capital. Nous t'ai dit, nous t'ai commencé à exploiter les communes dans le génie paillé, c'était pour planter café. Mais son événement qui pourra arriver, qui pourra le faire, déboisement pourra le commencer, c'est le tremblement de terre qui est passé dans l'année 1770, non? Le président Alexandre Pétion était fait la même année. Autorité coloniale, il prend décision parce que le tremblement de terre là tue en pile monde. Qui était en maçonnerie, qui était en roche. Il dit pour protéger la vie population, dans l'éventualité de l'autre tremblement de terre, il est nécessaire pour que vous interdit les gens construire en mur, en roche, et vous pourrez remplacer la structure, la construction en bois. Et moi-même, j'ai une chance, nous tous là, j'ai une chance, nous avons une ancienne cathédrale là. C'est un bâtiment en bois que le terre. Eh bien, il aura coupé bois. Dans le grand bois. Et pour venir porter au prince, pour construire. Et là, déboisement, il commence. Par la suite, il aura coupé bois pour planter café. Mais comme paysan, cognon, les autres qu'on a produit du café, il te fait reboisement eux-mêmes. Je ne suis ni directeur Camille, ni collègue Patrick Joseph, pour aller démentir. Côté que tu as un café, tu as un bois qui est le sucre. Café a en bas, sucre en haut. Et en pile côté qui n'a pas fini de boiser net, c'est côté que tu as un café, sucre en haut. Donc, nous pensons que c'est vin couper bois par la suite. Dans grand goût et haut Alvan Tomaso, couper bois fait charbon et puis population vient augmenter, espace agricole vient réduit, qui fait que côté qui te gagne forêt, même si c'est pas forêt d'être dans plus côté Bonillon sur route là qui sorti Tomaso pour aller dans Bouconillon, moi même l'aime te petit pas de machine pour te aller Tomaso les moun la caille moi dans l'école sous mulet, eh bien, toute route dans tes boisé net avec papan yo sous pied boyo. Et pour y aller, c'est dans zone orangée. Me rappelez que moi, mon pied bois toujours avec l'Orani. Moi, le pied bois, si je ne me pas trompé, je ne pas bon. C'est que toute route là net, c'était bois. Donc, c'est une destruction couverture. Végétal commune, destruction environnement commune qui fait de façon graduelle. Et pour comprendre ça, il suffit que dans Google Map pour garder frontière Haïti à partir de Cognon avec frontière Dominicani dans zone yo les Independiente pour voir qui différence qui gagne entre couverture végétale pour Dominicain avec pas Haïti. On va voir qui gens grand bois, cognon, t'es vraiment boisé. Ok, par rapport à l'explication, ça, professeur Rizal, n'a pas rappelé que n'a pas voir qui c'est un historien, professeur, et est-ce que toute explication, ça, au bon moment là, et téléspectateurs, on pense que vous allez comprendre comme ça, est-ce que vous avez dit que l'État participait dans déboiser grand bois? Par rapport à la décision que vous avez prise pour changer la forme d'habitat. Et moi-même, que vous prenez de façon formelle, que vous prenez de façon informelle, et l'autorité coloniale, l'État colonial, et l'État
force indépendance là yo participer dans destruction couverture végétale commune. Comment colon yo même ti détruit toute terre quoi un café en partie yo te quitté forêt yo par la suite un peu mal de terre yo détruit comment ti détruit forêt qui plus sécurisé construit dans Port-au-Prince et par la suite l'État haïtien lui-même n'a pas jamais pensé encadrer les paysans. Il y a des gens qui vont dire nous qui ont un âge agricole ou oui, qui ont un âge agricole. Nous prenons compte dans les paysans même pour quitter occupé pied bois, oui. Et de l'homme petit. Il y a des magistrats, etc. Mais c'est pas agriculteur. C'est un agent agricole pas le même qui était là pour t'empêcher. Chef section était là pour t'empêcher. Mais ça n'a jamais empêché de vouloir faire route là pour une série de paysans sués avec planche chez vous, traverse dans la tête pour aller vendre ton oiseau. Écoutez, vous me retournez Antonio Rival, comme une cornille. Il y a des gens qui sont responsables de tout le monde. Et combien de sections communales qui sont là-dedans? Nombre d'habitants à l'une des cents. Bon. Si nous sommes capables, parce que l'histoire n'a pas fait histoire sans date, nous n'avons pas fait histoire sans chien. Pour transformation commune Cornillon de partie en commune, il y a une date que tout le monde répète, c'est juin 1788, sous la présidence de Lysius Félicité Salomon. Et personnellement, nous-mêmes, ça, c'est vrai. Parce que nous pouvons jamais rejoindre document qui dit le contraire, là. C'est-à-dire décret président Salomon est sorti. Hein. Nous avons un historien, c'est médecin Lucien, Lev Jérémy, au 19e siècle et commencement 20e siècle, là, qui fait qu'on est que mon décret qui s'est décret 31 août 1881, c'est-à-dire 7 ans avant date tout le monde a répété Cornillon, c'est décret ça élevé Grand Bois dans niveau commune. Population, nous te saisi ouais la caisse nous pas mature. Si nous pas trompé nous, c'est tome 3 en 1800 Allez, 1820, sous président Boyer, un recensement qui était fait dans le quartier sacral de la commune, qui a gagné environ 26 millions, mais environ 20 000 habitants. Plus tard, si nous prenons recensement 2003, sous président Jean-Bertrand Aristide, nous croyons c'est environ 65 000 habitants. Mais question à poser tête nous, est-ce que chiffre ça yo respecte la réalité? Ajuyon c'est après c'est pour la paix entre monde qui dans région Ajuya et l'État. Pour que information nous arrive dans un état et pour l'État côté des solutions. Nous avons fini, docteur. Nous avons fini, professeur Rival. Mais, nous passer sur nous. Est-ce que nous avons fait des massacres? Oui. Et des familles qui. Et, bon, massacre que nous avons dit qui fait grand bois, c'est pas chiant. C'est une question à vous répondre très rapide. Très rapide. Yo kon refere yo à l'année 1969. Yo dit te gen massacre Grand Bois. Non. Te genyen ça nous a pris des persécutions politiques. Yo a plusieurs moun
grand bois dans un soi-disant ou bien peut-être vrai un mouvement communiste qui sorti en Europe et puis il était mené au quoi des bouquets fort dimanche des documents sur ça et puis c'est là il a tué Moussaï mais on grand bois pas de masse. Cependant c'est une révélation que nous déjoignons par des témoins oculaires dans l'année 1964. C'est le groupe camerounais qui est sorti en République dominicaine, qui est attaqué en sapitre. Et son violence turque. Il est assemblé de gagner un groupe paysan révolutionnaire camerounais. Traverser les frontières là et puis river sous commune grand bois pour l'époque yo arrêté yo et yo fusillé yo enterré yo dans cimetière la Jotte et joue Haïti yo capable aller pour yo joindre Ousmane Moussa yo yo konn ki est sur dire mais c'est pas mon grand bois yo dit d'abord même pas dire ça parce que est-ce qu'on pense, on va prendre ça pour nos professeurs dans 15 secondes. Est-ce qu'on pense production qu'a fait gagner dans commune là et puis il fait grand bois plus bien ou bien plus mal? Plus mal. Ernest? Et la fin hein? Oui. D'accord, parce que quand le bagage pour dire et ce qu'on nous comprend et la cornillon et grand bois cornillon. Je ne veux dire bon tatou noir. Mon beau grand bois ben dit aussi grand bois, une petite dit aussi. Très simple. Colon yo tire le quartier canton grand bois. L'état haïtien continue à grand bois, mais te gon contradiction. Côté pour l'an et sa pour l'an et l'an, son habitation, tout le monde connaît un gros monument là dani, c'est un pluvium nan. Habitation ça c'est le colon. Jacques Cornillo. Pendant Grand Bois, relé Grand Bois, pour l'entreprise Cornillo, c'est déformation non Jacques Cornillo. C'est un député communal, c'était Saint-Arnaud Dumas, dans fin année 70, qui te prend décision avec l'aide de l'autre député et ministre. C'est Rony Gilot qui est très puissant au côté Jacques Duvalier. Pendant qu'on s'est découvert dans la zone par la terre des salles, puisque ça a trouvé nos salles, donc l'aide liée. Et puis, l'autre, bon, là, il pas nous les grands bois, mais il faut que nous disions tout, l'armée d'Haïti, les postes militaires, nous distrions des cornillons. Et puis, tout profiter, changer, non, dominant. De grand bois à cornillon, mais population paysan, grand bois paysan actuel, c'est tellement yo rebelle, yo même yo été attaché avec Noyo et directeur Camille, ce pas notre décision là, il disait mieux que le céleste, plus que les communes à cornillon, mais moun bou grand bois à pain, c'est grand bois. Et en plus, en minute, tu vois, mieux que pas moun cornillon, et tu sais quoi. C'est à Dieu, dans le pays d'Haïti, seul pour me dire à Dieu, c'est quoi? On y a un grand bois. Grand bois. Certainement. Pour finir, rapidement, la parole avec toi. Deuxième édition, délice et cauchemar. La troisième. Ça, ça va. C'est un poème que moi été inspiré parce que la troisième, tout côté bon, il y a une spécificité européenne. Par exemple, après Kaïli, comme ancien volcan, mais Kaïli a une beauté extraordinaire, surtout une série de photos directeur Camille a publiées. Moi, j'ai gagné Robinson Bernard, ancien journaliste de Félix. C'est même Jean tout. L'idée de l'Ori Kaïli, on a regardé la radio en bas, son vue extraordinaire. Mais la troisième, c'est une bonne beauté Bali. C'est une plus belle côté qui est en Haïti. Moi-même, malé, connu avec l'étranger, les olives, la toison, carrefour, mambo, etc., il y a regardé son majorge, il est impressionné.
et pour nous faire bouillir. Zone la 3, ce que nous décris dans le poème, ministère de l'Agriculture, c'est une ferme agricole là, c'est bien un agronome qui est petit, c'est lui-même qui était dans la tête ferme là, bien joué le vec qui était président de l'Assemblée nationale là, sur Jean-Claude Rivalier. Là, il fait petit. Là, il y a un grand bois qui petit à Bonhomme Jaurès Levé. Donc, son zone qui fait une grande expérience à l'école là-dedans déjà. On terre qui est extrêmement fertile, en pile fouille, il fait bon et puis c'est pas à Zouroche, même déjà en pile partie à Bonhomme. Est-ce que, bon, qui ça ou qui a encouragé l'État parce que ça a débuté dans la commune, nous pas essayer de un problème qui vient dans la commune. Non, on a peut-être retourné sur ça, soit avec le député, pourquoi pas avec le député. Mais, comme le monde, grand bois comme nous, 1, 2, 3, 4, qu'est-ce qu'on va proposer l'État? Premièrement, l'éducation. Deuxièmement, route. Troisièmement, encadrement paysan pour faire reboiser. C'est ça, vraiment. Et si tu as besoin de rajouter, frontière là, si tu es capable d'arranger ou faire ou là, arriver sur frontière là, normalement, et puis tu contrôles toi, parce que tu dois avoir quantité comme l'État haïtien perdu dans trois congos seulement, sans compter bœuf, cabri, ça te capable de contribuer à des frontières. Avec Zaminouyo, pas oublier, allez sur page YouTube là, abonnez avec page là, allez sur page Facebook, Azwi News, un petit like, un petit commentaire, yeah. Abonnez, n'attendez, prochaine édition c'est dans quelques jours. Bye bye.